7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, demain samedi il fera toujours aussi beau mais avec quelques nuages dans le ciel bleu. Les températures vont de 17 à 25 degrés. Demain samedi nous fêterons les Grégoires, le soleil se lèvera à 6h49 pour se coucher à 20h06. Aujourd'hui sur Mosaïque, le CIDEM lance une nouvelle opération communication, nouveaux projets, visites de sites et conseils de tri. Découvrez l'actualité du CIDEM dans un JT. Et puis à suivre l'actualité d'une autre structure du secteur, le groupement 3S. Excellente journée sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym. Maman, t'es devenue mamie. Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors, tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, ça, c'est très très bien. Ah, ben, je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firch Menuiserie. Soyez cloud managé. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, Génie Bois, une équipe de pros. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre JT CIDEM. Vous allez tout voir et savoir sur l'actualité du CIDEM à travers des images et des interviews. Mais avant, voici le sommaire. On partira à la découverte de Metavos 1 à Sarreguemines, un concept innovant de revalorisation des déchets verts à l'initiative du CIDEM. Pour mieux connaître ce site, une visite de presse a été menée. L'occasion de valoriser le concept et de répondre aux interrogations des visiteurs. Les écoliers du secteur, eux, ont visité le centre transfrontalier d'éducation à l'environnement de Morsbach, ainsi que le centre de tri des recyclables de Sainte-Fontaine. On s'est glissé dans cette visite ludique à visée pédagogique. L'environnement est l'une des priorités du syndicat. La forêt du Gensbach en est la preuve. Entretien de la forêt, implantation des cultures et aménagement des sentiers. Nous ferons le tour du chantier en cours. Séduire les communes du secteur par l'implantation de conteneurs de récupération des déchets, voilà l'objectif de la nouvelle aire de tri pédagogique installée à Morsbach. Nous verrons les images de l'inauguration. 60 secondes pour comprendre et assimiler les bons gestes de tri. Cindy vous dit tout sur le tri du verre dans notre rubrique « La minute du tri ». Et pour vous, est-il important de trier? Nous vous avons posé la question pour notre micro-trottoir. Et enfin, nous ferons le point sur les chiffres du tri sur le secteur. Pour commencer ce JT, on part à la découverte d'un des sites du CIDEM, Metavos 1, implanté à Sarreguemines, qui est une structure innovante dont le projet a démarré début 2015. Son objectif, utiliser la méthanisation pour produire du biométhane et revaloriser les déchets verts, voire les commercialiser. Un an de travaux, un projet ambitieux et innovant à l'initiative du CIDEM. Bienvenue sur le site Metavos de Sarreguemines. Le chantier a démarré en janvier 2015 avec le forage et le coulage des piliers béton. Il s'est poursuivi par la pose des parois de ce que l'on appelle le digesteur, la cuve dans laquelle fermente la biomasse. La mise en place des agitateurs qui servent à brasser la biomasse, la pose des parois du poste digesteur et s'est terminé par la mise en place des containers GRDF et air liquide. Depuis le début de l'année, ce site pilote est opérationnel pour produire du biométhane. On a introduit la biomasse de la trémie qui se trouve derrière nous et de là, elle est tout simplement convoyée jusqu'à la mélangeuse qui se trouve là, à l'arrière. Nous sommes sur le toit du digesteur. Par cette conduite, est extrait le gaz et acheminé vers le poste digesteur qui se trouve devant nous. Dans la partie inférieure est stocké le digestat liquide et dans la partie supérieure est stocké notre gaz. Ensuite, il est acheminé vers l'épuration qui appartient à air liquide. Tout notre process est automatisé
Et à partir de cet écran, nous pouvons piloter tous les organes de l'installation. La méthanisation permet non seulement une valorisation des déchets sous forme d'énergie, électricité, chaleur, biométhane injecté dans des réseaux de gaz, mais également une valorisation agronomique en engrais liquides et en amendements structurants pour les sols. Métabos 1 est un projet qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la transition énergétique. Le biométhane produit va permettre de faire rouler les poids lourds du syndicat, mais également les bus et bennes de collecte de nos collectivités. Et en même temps, va permettre au SIDEM de valoriser les déchets verts dans un cadre économique plus favorable. Pour cela, nous avons fait le choix de la voie sèche, qui va nous permettre de valoriser nos déchets verts en combinaison avec des déchets agricoles et d'industrie agroalimentaire. Métavos devrait produire par an 2 millions de mètres cubes de biogaz, 4 500 tonnes de compost et 6 000 mètres cubes d'engrais liquides. L'objectif du SIDEM est non seulement de rentabiliser cette installation, mais aussi de commercialiser ce concept de valorisation des déchets verts. L'usine de méthanisation était le point d'orgue d'une visite de presse. Cette visite a permis de valoriser tout le travail mené pour mettre en place une telle technologie. Parmi les visiteurs d'un jour, on retrouve des journalistes de la presse spécialisée très intéressés par ce qui leur est présenté, tout comme d'autres collectivités porteurs de projets qui sont naturellement intéressés d'observer sur le terrain la mise en place et le fonctionnement d'une telle usine de méthanisation. Le syndicat mixte possède donc, grâce à sa situation de précurseur, une longueur d'avance. Tout cela au bénéfice du territoire et des communes qui le composent. Une toute autre visite maintenant, puisqu'il s'agit d'une visite scolaire. Régulièrement, le Centre transfrontalier d'éducation à l'environnement reçoit des groupes d'élèves dans ses locaux au siège du SIDEM à Morsbach. Un moment ludo-éducatif pour sensibiliser les plus jeunes aux bons gestes. Une initiative parfois même intégrée dans le programme scolaire des instituteurs. On regarde les images. 61 visites, 1500 élèves. Depuis un an, le SIDEM a déjà accueilli de nombreux groupes scolaires dans ses locaux. Et à chaque fois que ça tourne, ça va emmener avec lui, entre ses petites dents, un sachet. Comme ça, au programme découverte des différentes structures, visite de l'exposition dans le hall, animation, parcours extérieur, atelier bricolage et visite guidée du centre de tri de Sainte-Fontaine. L'occasion d'informer et d'impliquer les élèves dans le circuit de recyclage. Ces visites permettent aussi aux enseignants de s'inscrire dans le programme de l'éducation au développement durable. Donc les visites ont pour but de sensibiliser avant tout les élèves au tri des déchets tout en s'amusant et à la préservation de notre planète. Ça permet également de développer une culture scientifique parce qu'on donne des explications sur le recyclage des déchets, sur la méthanisation. Et ça leur permet aussi d'adopter des gestes éco-citoyens, comme limiter la consommation d'énergie, l'eau, économiser le papier, jardiner au naturel. Tout au long de la visite, les élèves peuvent visualiser l'impact des bons gestes de tri qu'ils pratiquent dans le cadre scolaire. C'est une action que je fais toutes les années avec mes CE2, et donc ça permet aux enfants de prendre conscience du tri sélectif et de l'enjeu que ça a sur l'environnement. Une action que l'on mène également à l'école, et donc c'est la sortie finale. Un point d'honneur pour comprendre le tri sélectif. Et on va agrafer ces deux parties, tout simplement. D'accord ? On a découpé, après on a plié la brique et on a mis les boutons de pression. Bah, c'est la première fois que je fabrique quelque chose avec un déchet. Apprendre à connaître les déchets et savoir les revaloriser, voilà les objectifs qui rythment les ateliers. Ce qui leur plaît avant tout, c'est l'approche ludique, c'est les petits jeux qu'on leur propose en salle, le jeu des magnettes, la pêche aux biodéchets. Nous avons aussi une maquette animée avec de la vidéo, des sons et lumières. On a vu comment ça fonctionne, on a vu les différents déchets. On a vu les sortes de couleurs des sachets. Ce qui est recyclable, c'est dans le orange. Ce qui est résiduel, c'est dans le bleu. J'ai trouvé très bien. Ils ont très bien fait. Parce qu'on apprenait plein de choses. Et en même temps, on voyait des choses qu'on n'avait pas encore vues. Cette initiative, soutenue par le conseil départemental, rencontre un vif succès auprès des enfants. Elle s'adresse à tous les établissements scolaires de Moselle et d'Alsace-Bossue. Vert, oui, orange et un bleu. Oui, exactement. Et juste...
et sachez que les visites scolaires se déroulent sur réservation tous les jours sauf le mercredi. À noter que d'ici septembre prochain, la découverte d'une serre pédagogique sera ajoutée à la visite. L'environnement fait bien entendu partie des prérogatives du SIDEM. Le syndicat a acquis depuis peu la forêt du Gensbach à Morsbach. Des travaux d'entretien y ont été lancés cette année, dans le but de favoriser le développement des végétaux, d'y intégrer des cultures tests, mais aussi d'aménager les sentiers empruntés par les riverains. On fait le point sur le chantier. Depuis fin mars, des travaux ont été engagés par le SIDEM dans la forêt du Gensbach. Si le développement de la végétation était anarchique jusqu'à présent, il s'agit désormais d'entretenir et de réaménager l'espace forestier régulièrement emprunté par les riverains. Donc on va continuer à préserver la forêt. On va essayer quand même d'ouvrir certaines parcelles pour faire quelques cultures, des essais de cultures énergétiques donc qui vont servir à alimenter les méthaniseurs. On a voulu éclaircir la forêt et également mettre en place des chemins d'exploitation pour pouvoir l'exploiter au mieux. On va également permettre à la forêt d'accueillir le public, donc les riverains essentiellement, que ce soit les promeneurs, les cyclistes. Pour ce faire, plusieurs axes ont été dégagés dans la forêt. Si le projet initial prévoyait une utilisation de la forêt pour une production de biomasse, l'objectif du SIDEM est désormais d'y implanter et d'y voir se développer d'autres cultures qui alimenteront le méthaniseur. À l'heure actuelle, on veut faire des tests de cultures énergétiques sur des parcelles qui vont être ouvertes, également des cultures intermédiaires qui seront dédiées aux méthaniseurs, donc ce sera des mélanges d'espèces. Plusieurs cultures vont être mises en place pour tester, voir lesquelles sont les meilleures, mais également permettre une préservation du sol. L'intégration des cultures énergétiques comprenait dédiée à produire de l'énergie par le biais de la méthanisation ou en les brûlant, devrait aboutir d'ici 5 ans. La phase d'exploitation sera alors enclenchée et les riverains pourront profiter d'une forêt entretenue et mieux aménagée pour la promenade. Une nouveauté à présent. En mai, une nouvelle aire de tri pédagogique a été inaugurée. Il s'agit d'impliquer le public dans un tri efficace et surtout de le faciliter. Et cela passe par l'implantation de plusieurs conteneurs de récupération. Une aire de tri qui pourrait séduire les communes du secteur. On regarde les images de l'inauguration. Une nouvelle aire de tri est installée sur le site SIDEM de Morsbach. L'inauguration a eu lieu le 17 mai et c'était l'occasion de sensibiliser le public aux bons gestes de tri. Cette aire ayant pour vocation première d'être pédagogique. Je dirais ce qu'elle a comme but, c'est principalement de montrer aux collectivités ce qu'il faudrait faire quelque part. Parce que vous avez pu vous rendre compte que sur un même site, on a et la collecte du verre, et la collecte des journaux, revues, magazines, la collecte du textile, afin de faciliter à l'usager le dépôt de déchets recyclables. Parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un se déplace uniquement avec un cajot de bouteille, c'est moins pratique que s'il pouvait optimiser son déplacement en bidant tout ce qu'il a de recyclable, je dirais, sans aller jusqu'à la déchetterie, ben ça serait un plus pour l'usager. L'autre grand objectif de cette aire de tri, c'est d'augmenter la collecte de verre, puisque 1200 tonnes de verre se retrouvent dans les sacs de tri chaque année, alors que pas un gramme ne devrait s'y trouver. On a actuellement de nouveau une recrudescence de verre dans les sacs, parce qu'on se rend compte que 10% du potentiel de verre que nous pouvons ramasser, nous le retrouvons malheureusement dans les sacs avec tous les dégâts que cela peut engendrer, que ce soit sur les installations, sur le compost en sortie, pour la sécurité du personnel, pour les machines, etc. Donc on a tout intérêt à retirer un maximum de verre plutôt que de vouloir traiter le produit en sortie. Si la nouvelle campagne de communication sur le tri du verre sera visible dans les prochains mois, certains élus, comme Paul Fellinger, président de la communauté d'agglomération Forbach Porte de France, sont déjà convaincus du rôle que jouent de tels systèmes dans les communes. Cette aire de tri là que nous venons d'inaugurer ce soir, donc je trouve personnellement que c'est une excellente initiative de la part du SIDEM. Et cette aire de tri, là, c'est un nouvel outil. Et moi, je le considère comme un outil de communication et d'information. Il est quand même important d'informer, de communiquer sur la gestion des déchets. Faire prendre conscience à nos habitants de l'importance que revêt la gestion des déchets. Connaître aussi la filière d'élimination de ces déchets.
Et là, nous avons un exemple avec cette aire de tri. C'est-à-dire, vous avez là une grande partie de nos déchets qui sont valorisés, qui resservent. Ces déchets ont ensuite été récupérés. L'occasion de mettre en lumière le travail de transport et de traitement effectué par le SIDEM. Vous l'avez entendu, la campagne de communication sur le tri du verre a été lancée. Et c'est tout naturellement que l'on a choisi ce déchet pour la première édition de notre rubrique « La minute du tri ». Le principe est simple, on vous donne tous les conseils pour trier vos déchets. On retrouve Cindy qui va tout vous dire sur le tri du verre. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Cindy et je suis heureuse de vous présenter cette première édition de la Minute du Tri. Aujourd'hui, nous allons parler du tri des emballages en verre à déposer au conteneur à verre. Commençons par le tri des bouteilles en verre, qu'elles soient de couleur verte, brune ou transparente, qu'elles aient contenu du vin, du champagne, de la bière, du jus ou même les bouteilles d'huile et de vinaigre. Elles sont toutes à déposer au conteneur à verre. Tout comme les pots en verre, comme le pot de bébé, le pot de miel et le pot de confiture. Ou encore les bocaux en verre, comme le bocal d'olive, de cornichons, de pâté, de pâte à tartiner ou de champignons. Et enfin, la grande nouveauté revient au flacon de parfum. Et oui, lui aussi est à déposer au conteneur à verre. Ainsi, il pourra bénéficier d'une nouvelle vie. Attention, n'oubliez pas d'enlever les bouchons et les couvercles métalliques ou en plastique de tous vos emballages en verre. Voilà, quelques gestes simples, de nouvelles habitudes à prendre pour préserver notre environnement et nos ressources naturelles. À très bientôt. Et nous retrouverons Cindy dans une prochaine émission pour de nouveaux conseils pratiques. En attendant, si vous avez des questions sur le tri des déchets, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert au 0800 600 057. Et pour vous, est-il important de trier? Le faites-vous au quotidien? Nous sommes descendus dans la rue pour vous poser la question. C'est notre micro-trottoir. Regardez. Pour avoir une terre propre, pour éviter toute pollution. Et puis c'est ma femme qui trie plus que moi. Je suis honnête. Ça ne sert à rien de faire du tri si on fait finalement pas bien. Faut quand même repasser par derrière, alors autant essayer de faire bien tout de suite. Mais bon, c'est une habitude, hein. Il y en a qui se cassent la tête, ils en font toute une montagne, mais finalement, c'est vrai, une fois qu'on a pris le pli, ça va tout seul. Bah oui, c'est important, c'est pour la planète, l'écologie, ça c'est important. Il faudrait bien que tout le monde s'y mette. Ça me paraît naturel de recycler tout ce qui est recyclable pour éliminer le plus de déchets possible. Pour moi, c'est important de trier parce qu'il y a beaucoup de pollution. Oui, c'est important de ne pas mettre tout ensemble, voilà, c'est ça. Déchets alimentaires, le verre, le papier, voilà. C'est pour que la nature soit moins polluée. C'est vrai que les déchets, on en a de plus en plus. Et si on peut recycler quelque chose, tant mieux. Je pense que la planète, c'est important pour l'avenir de nos enfants, surtout. Si on fait n'importe quoi, dans quel état est-ce qu'on va laisser le monde à l'avenir? On termine ce JT avec quelques chiffres clés, toujours dans la thématique du verre. En 2015, 11 316 tonnes de verre ont été collectées sur le territoire du SIDEM. 1200 tonnes de verre sont malheureusement retrouvées encore dans les sacs multiflux tous les ans. Le traitement de ce verre non trié représente un surcoût de 130 000 euros par an. Alors vous aussi, mettez-vous au verre. Voilà, c'est la fin de ce JT. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actu du SIDEM. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT3S. On fait le tour de l'actu de ces trois derniers mois dans ce 19e numéro. Voici le sommaire. Zoom sur le nouveau projet de l'AFAEI. Une nouvelle résidence verra le jour en 2017. Elle comportera quelques spécificités comme l'installation d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés appelé SAMSA.
Qu'est-ce qu'un SAMSA? Qu'est-ce que cela change pour le groupement? Richard Andréoni répondra à toutes nos questions concernant l'installation de ce nouveau service à Sarreguemines. En cette période de l'année, l'AFAEI et l'APEI organisent leurs assemblées générales annuelles, l'occasion de faire le point sur le bilan ainsi que sur les futurs projets. On commence ce JT avec une nouveauté. L'AFAEI lance un nouveau projet de construction d'une résidence à Sarreguemines. Elle sera implantée à côté de la résidence Lydie Guggenheim et bénéficiera de services spécialisés. Et comme toute construction, on démarre avec la première réunion de chantier. Regardez. Première réunion de chantier pour le projet de construction d'une nouvelle résidence spécialisée à Sarreguemines. Un projet financé par l'AFAEI qui bénéficie de l'assistance de Sarreguemines Confluence Habitat. Aujourd'hui, le but de notre réunion ici, c'était de voir dans quelle mesure on pouvait refaire un projet pour les besoins de l'AFAEI sur la parcelle à l'avant de la rue Joffre, et sur laquelle les anciens bâtiments viennent d'être démolis récemment. Il s'agissait d'une maison et d'un hangar. Alors, notre démarche s'inscrirait plutôt dans une assistance à l'association, à l'AFAEI, pour les aider dans la réalisation d'un futur projet qui pourrait consister en la construction d'un bâtiment qui devra parfaitement s'intégrer dans ce qui existe déjà et qui pourrait accueillir 8 à 12 appartements de type T2, avec balcon et quelques services communs au niveau du rez-de-chaussée. Un projet porté par l'AFAEI pour un budget de 1,2 à 1,5 million d'euros qui comporte quelques spécificités du fait de son emplacement et sa proximité avec les résidences existantes. Ce projet, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on en parle. Donc on y a réfléchi pendant longtemps. Et c'est principalement pour avoir des solutions, des gens qui travaillent en ESAT ou des personnes qui ont plus de 60 ans qui sont en retraite, pour éviter de les mettre dans des maisons de retraite, pour avoir un chez-soi. Donc ça n'existe pas et c'est une création pure et simple de l'association. Pourquoi on a aussi veut construire ici? Parce qu'il y a un FESAT, il y a les... il y a les terrasses de Lydie, il y a un SATMO, ça veut dire un service d'accompagnement, et un futur SAMSA. Tout ça, ça nous permet à nous de mutualiser des moyens avec ces appartements en cas de problème et que les gens puissent intervenir. Cette nouvelle résidence accueillera au rez-de-chaussée les bureaux du SAMSA, le nouveau service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Quelques questionnements du voisinage émergent, notamment concernant l'emplacement du parking, des murs ou d'éventuels grillages. Mais si le projet suit son cours, le bâtiment devrait se voir construire courant 2017. Vous l'avez entendu, cette nouvelle résidence bénéficiera d'un SAMSA au rez-de-chaussée. Mais en attendant la construction de cette résidence, les bureaux de cette nouvelle structure seront provisoirement installés aux terrasses de Lydie. Nous retrouvons Richard Andréoni, directeur du pôle hébergement, pour nous en dire un peu plus sur le SAMSA. Richard Andréoni, bonjour. Bonjour. Alors premièrement, expliquez-nous ce qu'est le SAMSA. Alors le SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. C'est-à-dire que la mission du SAMSA est de permettre le maintien à domicile de personnes en situation de handicap qui nécessitent un accompagnement aussi bien au niveau éducatif qu'en termes de soins. Et quel impact aura l'installation d'un SAMSA sur le groupement 3S? Alors, tout d'abord pour les usagers, le SAMSA va permettre une continuité dans leur accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupement de coopération n'a pas d'établissement ou de service dédié aux soins. Le SAMSA est le premier service qui permettra de continuer à accompagner nos résidents à leur domicile, même s'ils ont un besoin de soins. Voilà. En termes d'embauche, effectivement, dans l'appel à projet, on a répondu avec la mise en place, une fois que les 15 usagers seront pris en charge d'un ensemble d'une équipe pluridisciplinaire. Et enfin, en termes d'infrastructure, on est à côté des futurs locaux du SAMSA. Le SAMSA sera situé dans les locaux des terrasses de Lydie, juste en face du SATMO. Et qui pourra bénéficier des services du SAMSA et surtout, comment fait-on pour en bénéficier? Alors, pour bénéficier des services du SAMSA, il faut avoir une orientation de la MDPH en SAMSA.
C'est-à-dire, si un usager estime pouvoir être suivi par le SAMSA, il doit se tourner vers la MDPH, proposer un dossier de réorientation le concernant, pour avoir, lors de la CDAPH, une orientation en SAMSA, et à ce moment-là, il peut revenir vers le SAMSA avec son orientation et entamer la procédure d'admission. Merci Richard Andréoni d'avoir répondu à nos questions. De rien, c'était avec plaisir. Comme traditionnellement, en cette période de l'année, la FAEI et l'APEI organisent leurs assemblées générales respectives, l'occasion de réunir tous les acteurs des associations autour du bilan et des projets à venir. À l'ordre du jour, rapport moral, rapport d'activité et rapport financier. Les assemblées générales de la FAEI et l'APEI ont eu lieu, et que ce soit à Sarreguemines ou à Sarrebourg, les bilans financiers et d'activité de l'année 2015 sont plutôt positifs et rassurants. Ce sont deux associations qui sont florissantes, qui sont vraiment aujourd'hui dans leur apogée de réalisation et dans les conditions d'accueil. Je pense que j'en suis fier de ce qui a été réalisé et surtout du soutien inconditionnel qu'on a de la ville, de la communauté d'agglomération et des gens qui sont autour de nous. Cette réunion est l'occasion pour Michel Adam, vice-président de l'API, de rendre hommage à son président, Jean-Pierre Hartel. Investissement pour lequel il ne compte jamais son temps. Il est présent partout. Et de revenir sur la situation financière de l'association. Il vaut mieux avoir une situation financière qui soit saine. Les rapports avec les banquiers et les financeurs sont toujours plus faciles que quand on a une situation qui est plus difficile. Voilà. Donc encore une fois, nous ne cherchons pas à accumuler de l'argent, à gagner de l'argent pour gagner de l'argent. C'est toujours au service d'une cause, qui est la cause du handicap, à travers donc le financement d'investissements pour le bien-être de ces personnes avec handicap. Si cette situation permet la création d'une nouvelle résidence et l'installation d'un nouveau service d'accompagnement, le SAMSA, à Sarreguemines, du côté de Sarrebourg, de nouveaux projets voient également le jour. Il y a aujourd'hui deux foyers qui existent. Il y a un foyer pour des travailleurs des ESAT et un foyer pour des personnes qui ne sont pas des travailleurs, donc ce qu'on appelle un FAS. Ces différentes places vont être fusionnées en un seul foyer au niveau de Sarrebourg, donc qui va être construit, qui est prévu d'être construit sur l'emplacement de l'ancienne blanchisserie. Donc c'est une reconstruction pour pouvoir s'adapter à des locaux plus modernes, plus adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap. Au-delà de l'obligation légale d'information des membres, les assemblées générales de la FAEI et la PEI sont aussi l'occasion de sensibiliser les familles à devenir adhérentes pour favoriser la réalisation de nouveaux projets. On aimerait avoir plus de parents qui se joignent à nous, qui participent et qui comprennent bien. Avoir un enfant handicapé, ce n'est pas simplement le déposer le matin dans un établissement et le récupérer le soir. C'est beaucoup plus que ça, en fait. Si nous voulons défendre la cause des personnes avec handicap, plus nous serons nombreux, plus nous serons crédibles, parce que là, il y va de l'avenir de ce que nous pouvons faire pour des personnes avec handicap. Et c'est pour ça que nous souhaitons aussi, au cours de cette Assemblée Générale, sensibiliser les personnes qui ne seront pas encore adhérentes, ou ceux qui viennent, sensibiliser les autres qui ne viennent pas, pour qu'ils viennent renforcer nos rangs. Parce que plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de défendre ce pourquoi nous nous battons. Et du côté de Sarreguemines, l'Assemblée Générale s'est terminée par la remise de médailles du travail. Voilà, c'est la fin de ce 19e numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès le mois de septembre, toujours sur le site gc3s.fr.